Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter un tarot sublime qui s'appelle donc, comme vous l'avez vu dans la petite miniature, le Dali Tarot des éditions Taschen. Alors je ne sais même pas s'il va pouvoir rentrer dans la caméra tellement il est immense, vous voyez, par rapport à ma main. Il est sublime, il est tout en peau de pêche, en daim même, on va dire, ou velours, je ne sais pas trop exactement. Donc voilà, je vous montre la boîte, j'espère que vous allez quand même bien voir. Très très beau, il est en trois langues, donc anglais, espagnol et français. Donc ça c'est extraordinaire. Donc je vous l'ouvre, voilà le bijou extra, avec un magnifique, magnifique livre. Avec des cartes en pleine page. Voilà. Et à côté, un texte donc en trois langues. Donc c'est ça qui est très très bien. Je vous montre la partie française. Avec des conseils pratiques, des références artistiques, la vraie volonté. C'est un objet extraordinaire dont j'avais envie depuis vraiment longtemps. Et voilà, je me suis fait ce très 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 beau cadeau. Voilà, donc c'est un livre sublime. Alors, un jeu qui arrive, comme vous pouvez le voir, d'une manière très 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 soignée, dans une boîte dorée. Très 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 belle. Alors, je vous montre les sublimes cartes de cet artiste qu'on ne présente plus, bien sûr, hein, donc Dali, on le voit là, il est à la place du magicien. Alors, toutes les arcanes majeures donc, sont notées en anglais ici, donc il y a le numéro qui est ici, les signes également. Alors elles sont toutes signées, vous voyez, par l'artiste. Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement toutes les arcanes majeures sont notées. Alors vous allez voir, c'est bon, juste après moi ça m'embête pas, mais les mineurs ne sont pas nommés, donc il faut, bon, quand on connaît bien le tarot, vous allez voir, hein, tout à l'heure, il n'y a rien écrit, mais elles sont toutes sublimes. Regardez-moi cette roue de fortune. Est-ce que ça existe, ça? Quelle petite signature. Le pendu, je vous laisse apprécier. J'espère que vous voyez bien ces œuvres d'art magnifiques. La mort, extraordinaire. La tempérance. Le diable. Elles sont toutes, toutes signées. Vous voyez, il faut chercher la petite signature. C'est beau, hein? Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. On le trouve, hein, relativement facilement, ce coffret. Et vraiment, je trouve que... Alors, en revanche, c'est pas très pratique à ranger, hein. Donc le monde, vous avez vu, c'est très 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 particulier. J'adore. Donc les cartes de cours sont aussi notées, donc ça c'est très très bien. Oui, ce que je disais, c'est que c'est pas très très pratique à ranger, hein. C'est vraiment un objet, un grand grand objet, donc bon, de collection bien sûr. Mais ça vaut vraiment le coup de l'avoir. Si vous êtes passionné de tarot, alors c'est peut-être pas un jeu avec lequel on va faire des tirages tous les jours, mais à contempler de temps en temps, puis surtout lire le livre qui est extraordinaire. J'ai commencé à parcourir plusieurs arcanes, c'est un bonheur. Voilà. Les coupes là,
notre série. Très très belle aussi. Alors là, effectivement, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est la limite de l'histoire. Bon, c'est pas noté, donc il faut compter. Mais bon, quand on a un petit peu l'habitude, ça va. Après, je vous dis, moi, je les prends en plus pour méditer, réfléchir. Vous voyez, il y a plein de choses, hein, les papillons. Alors peut-être que pour les débutants, effectivement, il faudrait, il faut compter, mais c'est assez facile quand même, hein, ça ressort beaucoup, on arrive à bien les voir. Alors peut-être qu'effectivement, il ne s'adresse pas aux débutants, vous me direz ce que vous en pensez. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Je ne sais pas que vous dire. Moi, c'est vrai qu'il m'a tellement fait flasher que je lui trouve toutes les qualités du monde, hein, forcément. Et bon, ce n'est pas le premier jeu qu'il faut avoir quand on démarre et qu'on démarre, mais effectivement, je pense qu'on peut quand même facilement faire des choses avec. C'est vraiment le genre de jeu qu'on prend, voilà, on se fait une petite boisson, on se met dans son canapé, dans son lit. On est au calme et on se dit, voilà, je vais regarder ce jeu, je vais lire quelques pages du livre. C'est vraiment du temps pour soi. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Alors là, 3 d'épée comme ça. Pas grand-chose à dire, hein. Oui, dites-moi vraiment ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Vous pouvez le retrouver donc aux éditions Tachan. Voilà, la dernière série. Et très colorée. Et puis j'adore cette petite signature sur chaque carte. À la limite, il faut par endroit la chercher, mais on la trouve. Hein. Et beau, hein. Moi j'adore. J'espère que vous passez un bon moment en regardant ces sublimes illustrations, ces peintures. Voilà, donc un dos très très sympa aussi, très joli, avec la signature, vous voyez, d'Ali partout. Alors, une qualité de carte, franchement, bon, ça pourrait être mieux, mais ça va. C'est une qualité de carte correcte. On pourrait s'attendre à quelque chose d'un tout petit peu mieux comme carte, vu la luxure du coffret. Mais voilà, très très beau. Un superbe coffret, magnifique. Voilà, donc Dali Tarot, j'espère que ça vous aura plu, ça change un petit peu, je ne l'ai pas trop vu hein, sur les chaînes françaises. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci pour tous les abonnés, hein, je ne vous oublie pas, tous les nouveaux, tous ceux qui sont fidèles. Merci, je suis très contente d'échanger avec vous puisque j'ai de plus en plus de commentaires, donc n'hésitez pas et je vous dis à très très vite. Merci pour tout, je vous embrasse, au revoir.